Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. Bon, juste avant que je commence un nouveau travail, je vais continuer mon lesquisse sur ma hypothèse 5 que j'ai débuté. Et je vais en faire peut-être un autre épisode la semaine prochaine quand j'aurai du temps. Je me suis dit en quoi que Toad peut bien aider. Des fois, c'est vous qui apparaît. Ça dépend du personnage que vous utilisez en mode histoire. Mais je pense que c'est par rapport à des parties en équipe, mais je vois pas où est-ce qu'on peut avoir des parties en équipe là-dedans. Je pense qu'il y a un versus. Sur le réserve des trois moutons. Bon, si l'un de mes moutons est identique à l'un des pockets, ben il meurt. On a 5 ans. Bon, voilà, il m'en manque un. Thank you.
Ça, il faudrait juste de le gagner celui-là. Moi, c'est quoi la gageuse cette fois-ci? Ah, c'est un gros 5. Oh, ok.
Ça c'est plus un jeu de chance ça là. J'espère qu'il faut me faire atteindre cette fois-ci. Un autre switch. On va commencer par lui. Bon, je peins tout le temps les mauvais jeux. Ah, quand c'est pas le temps. Thank you.
Ouais, il revanche. Un match revanche. Non, de coup, pas qu'il veut. Faut que je l'élimine. Ouf, ça arrive d'être encore. Ah, ok, le blonde away, c'est quoi ça? Déjà. Ah, ok, il faut que j'essaie d'envoyer pour pas t'éclater dans le vide avec l'aide de tout ça. Bye bye! Et voilà Koopa Kid Blue est éliminé. Ça arrive dans un bon moment parce que là, genre les 5 premiers tours, là, mes jeux n'ont pas été très bons. C'est pas facile ça là. En étant, je pense que j'aurais été mort. Parce que je suis vraiment pas bon dans ce genre de mini-jeu-là. Allons-y. J'aurais voulu que ça soit pour le rouge, mais bon. Attends, je vais passer un petit peu plus droit là. T'aurais pas si pire. Et voilà. Ah, 15 pièces de l'envie pour lui. Ah, il faut maintenant, il faut que j'aie de tuer le l'autre. Ça va passer, il va m'en rester juste un à. J'espère que ça va être un bon mini-jeu. S'il te plaît, les blocs à musique. Ou Button Masher là.
Moi, je trouve qu'il est un petit peu trop bas. Attendez, là. Jusque là. Je vais essayer d'être un petit peu croche, mais en tout cas. Ok. Ah ouais, go. Bon, le but, c'est de mettre le plus de boutons possible jusqu'à temps que l'autre crève. On peut aller jusqu'à 5 boutons, parfois 6. C'était pas les bons. Peu importe ce que je faisais, si il m'envoyait là pareil. Bon, ok, il veut m'étaler, il veut me chercher de place. Un hammer boss, ok. Là, je pourrais pas gagner parce que là, il y a 11 pièces. S'il y avait eu 10, oui, mais là, non. Si je gagne, là, il va survivre quand même avec 4 pièces. J'aurais aimé ça, au moins qu'il y ait au moins ce genre de mini-jeu là qui pourrait essayer de l'éliminer, non. Et ben j'ai quand même, bottom machin, j'aurais pu réussir, mais sauf que la manière dont les boutons sont apparus, ben ça m'avantageait pas du tout, genre. Là, le Y, le F, là, après ça, appuyer sur le B, non, j'étais pas capable, j'ai lâché. Que j'élimine là. Ok. Bon, 10 pièces. Ok. Club Stopper. Ok, là c'est un jeu en équipe. Il a été plus rapide que moi.
cave. Ok, moi je suis chanceux là. Ils se sont mélangés les deux autres. Ils ont carrément fait l'inverse de ce qu'ils devaient faire. C'est pour ça qu'ils ont dû recommencer. Bon, je suis qu'il y en a un qui est mort là-dedans. Là. Il en reste juste un. Un vide pièce. Oui, oui. Ok, c'est pour ça que des fois, dans les recettes, quand il y a juste deux coups de pièces, il est passé en équipe pour les recettes. Sinon, c'est solo. Le jeu va se regarder automatiquement. À chaque fois que vous finissez une partie de l'histoire, là. Bon, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. On se rejoint donc pour un autre épisode une prochaine fois.